Ahmad Pride, pour moi, ça représente le combat de l'intégration des personnes, dans le sens où aujourd'hui, il y a trop de gens qui sont mis en marge de la société, et puis que c'est important de mener un combat pour que ces gens puissent être intégrés. Personnellement, moi, je me bats pour l'intégration des personnes depuis maintenant plusieurs années, au sein de plusieurs associations. C'est un combat long, dur, je veux dire, on n'est pas entendu. Ça, c'est l'occasion de donner un peu de voix, c'est l'occasion de faire bouger un peu les choses. Je veux dire, moi, je milite pour la paix aidante, en tant que paix aidant, pour la paix aidante, c'est-à-dire pour que des personnes puissent représenter les personnes qui ne peuvent pas s'exprimer aujourd'hui sur la place publique. Et aujourd'hui, on a beaucoup de participants qui font le même combat que moi. Et voilà, et c'est vraiment une journée qui est dédiée pour moi à l'espoir de voir un monde plus égalitaire où tout le monde trouve une place. Peut-être pas la même place pour chacun, mais chacun une place dans la société. Un monde qui serait non seulement plus juste, mais peut-être plus économique aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que tous ces gens qu'on met en marge, ils coûtent à la société. L'inclusion, c'est aussi un combat pour que la reconnaissance des capacités de chacun, ce qui est nécessaire pour que les gens se sentent mieux, se portent mieux.